depuis 2018, un ensemble d'acteurs qui regroupaient dans 10 départements paysans, te mette au d'accord côté que pour te travailler sur question changement climatique, question catastrophe naturelle qui a touché pays nous. Et en même temps tout, comment citoyens, citoyennes yo capable jouer rôle yo sur un territoire face à question dérèglement climatique là. Et il y en a un outil encore qui interpelle nous autour de question c'est les moun yo a fait choix et au niveau des élections, comment on fait choix yo par rapport avec une problématique qui a traversé nous. C'est dans le contexte ça, nous commençons le travail depuis 2018 hein, avec un ensemble de partenaires, acteurs qui regroupaient autour de questions climat, aux questions environnementales, l'engagement citoyen, et pour nous être capables de doter pays ça d'un instrument, Haïti, d'un instrument ça qui est le pacte pour la transition écologique et sociale. Pacte ça a tourné autour de 5 thématiques, le climat et biodiversité, gain justice sociale et solidarité, gagner tout ça nous relie économie, administration publique et enfin démocratie et citoyenneté. Donc instrument ça qui ça pourrait permettre, il pourrait permettre que pour les pral gain élection en d'un pays pour que citoyens ou citoyennes capable connaître comment pour faire choix. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage tout la permettre que gon formation en matière d'éducation environnementale qui réalisé sur territoire. Troisième bagaille que PACSA il pourrait permettre à ce que pour la politique publique qui a mettre en place sur territoire dans le cadre de la dynamique de développement local pour que yo ka intégrer ensemble d'éléments ça que citoyens et citoyennes mettez d'accord déjà sur yo pour capable matérialiser yo dans politique publique ça. Et enfin PACSA il pourrait servir tout de un guide pour être capable de développer, sensibiliser chaque citoyen au comportement éco-responsable. Dans le document qui a pris les citoyens, organisations de base, pour être capable de faire pression en même temps tout sur les décideurs politiques. Ça, c'est le premier bagage. Et en même temps tout, pour être capable d'implémenter la société haïtienne sous responsabilité que nous gagnons face à la question du changement climatique là, et ensuite la question de protection environnement. Donc, on croit que l'aspect ça est fondamental. Je vous le dis, hein, nous avons des citoyens et des citoyennes qui ne connaissent pas effectivement sur le territoire. Document ça, travail ça, la permet que les citoyens approprient de eux pour connaître que les gens au timon des affaires, ce n'est pas un chèque en blanc que vous offrez. Il faut être capable d'évaluer. Travail, moun sa yo, qui a responsabilité politique là, nan men yo, et en même temps tout, faut qu'a questionner pratique de travail moun sa yo. Et je crois que c'est une faiblesse que nous gagnons en Haïti, citoyens pas connaît que, l'école ou choisit un monde qui pourra le représenter ou ben un monde responsabilité pour animer un territoire, faut capable engager pour comment moun a fait travail. C'est peut-être ça, cette thématique ça, qui constitue pas pour la transition écologique et sociale, lui répond à des problématiques que Haïti a traversées, lui répond à des problématiques qui vous permettent que pour nous refaire citoyens, forme de citoyens que nous gagnons en d'un pays. C'est peut-être ça, nous croyons que ça qui est intéressant, ce n'est pas un travail qui saute en l'air qui descend, c'est un travail qui saute dans la dynamique territoriale. En matière d'animation territoriale, c'est acteurs locaux qui mettaient dynamique ça en place et parce que y aurait question changement climatique là nous pas capable de quitter entre les mains des décideurs politiques si citoyens ont pas joué rôle pas joué et rôle que doit jouer sur territoire nous pense que pays noir la péri et époque ça moment ça que nous vivons là c'est des moments stratégiques qui critiquent pas seulement en Haïti c'est à l'échelle mondiale nous retrouvons nous des sortes de regroupements qu'a fait au niveau des citoyens et des citoyennes, qui a pile réseau d'organisations qu'a constitué autour de questions de changement climatique, qui a pile mouvement tout qui prend naissance parce que forme de gouvernance que nous gagnons actuellement dans le monde, l'y fait en nid, l'y effondré, l'y pas qu'à qu'il y ait encore, il faut que nous redéfinissions et redéfinissions ça, la passer automatiquement par la question de la protection environnementale, la question de changement climatique, faut qu'elle au cœur de toute dynamique qu'a faite sur un territoire.
et il faut le cœur tout de tout choix politique en citoyen, en citoyenne à faire sous territoire côté que la vive.